Daïla. Allez, les mots parents couilles. Le père, c'est quoi ça? Dans mes rêves, je me suis vu comme ça. Tu dis quoi, le vieux? Il va faire le match avec un gando piquet. Eki, le père, c'est raconte même quoi? On va te griffer. Waouh! Eki! Allez, les lions! Le père, tu parles de quel lion comme ça? Eh, aujourd'hui aussi, c'est un autre jour. Ah, tu parles des lions indomptables? C'est quelle équipe comme ça là? Hein? Eki, bro, y'a quoi? Une équipe de Panama qui est ce quartier mondial du même niveau que la Jamaïque. C'est-à-dire? Ça veut dire que même Coton Sport est plus forte que l'équipe là. Hey! Mais ça, les Camerounais avaient les critiques. Il y a quel joueur qu'on connaît dans l'équipe là? Eh, hey, qu'est-ce que se passe-t-il? Même parler me dépasse. Bro, tu parles de quel match? Cameroun-Panama. Ça veut dire quoi? Quel joueur qui joue 1-1? Ça, c'est une défaite. Ce n'est même pas. Ce n'est pas. C'est les week ends juste comme match de préparation. Ah, ok, je vois. Mon frère, tu as d'autres critiques des Camerounais là? Quand on a marqué le but, voilà le message que les gens ont écrit. Là, c'est bon. Et quand on a égalisé? Maintenant, quand on a égalisé, regardez les messages que les gens écrivent. Hein, papa? Jamais. Impossible, n'est pas Camerounais. Regardez. Est-ce que c'est normal? C'est grave. C'est tout. Notre équipe est là. Ils jouent. Mais c'est incroyable. Patriote, tu as compris? Notre équipe joue très bien. Quand vous, José, quand vous avez déjà le vert, rouge, jaune là, hein? Tout ce que les Camerounais veulent, c'est que vous poutez nos buts là-bas. Donc, à l'heure actuelle, on oublie d'abord les problèmes de la FECAFOOT. Même s'il y a quoi, la FECAFOOT, même s'il y a quoi, à l'heure, cela, vous allez d'où comme ça, on va commencer à juste, ouais, gardez-vous où? Jésus! Bro, pardon, on étouffe plus cette blessure. Je ne sais pas où c'est quel genre de défense comme ça. On guide le work à André Onana. Heureusement qu'Odé Onana avait chopé la bonne école, il n'a pas confondu. Il n'a pas confondu quoi? Comme la dernière fois, il avait confondu les médicaments avec Sangala. Je ne comprends pas. Depuis qu'il a confondu les médicaments avec Sangala, maintenant chaque fois il confondait les courses, c'est comme ça que les buts passaient, ils n'allaient pas. Maintenant le soleil a même dû la poutre la casquette. Odé, il a chopé la bonne école, c'est déjà mou. Donc si ce n'était pas lui, c'est qu'un couloir déjà, les insultes sur Koulou, c'est déjà la mort seulement sur Internet. Ah bon? Moi, je dis non aux écorces. Conseille plutôt André Onana de se oindre avec le lait de la gamme de toilettes Moi et Ben Beauty. Comment ça? Moi, je comprends rien. Pourtant, c'est facile à comprendre. Moi et Ben Beauty est cette nouvelle gamme de toilettes conseillée à toute personne ayant la peau noire. Découvrez la ligne experte de soins pour peau noire, métissée à mat de la marque Moi et Ben Beauty. Une ligne qui respecte la couleur de votre peau. Grâce à ses formules de produits riches en extraits de plantes végétales et ses ingrédients sélectionnés rigoureusement selon leurs propriétés, l'efficacité de vos soins corporels est maximisée, quelle que soit votre carnation. Jour après jour, vos imperfections sont atténuées, votre teint visiblement clarifié, unifié et frais. Votre peau retrouve sa beauté et rayonne d'un nouvel éclat. Avec les soins spécialisés de Moi et Ben Beauty, exprimez votre différence. Moi et Ben Beauty, ma couleur de peau, mon identité. Passez vos commandes via ses contacts. Ok. Bro, donc tu veux dire qu'aujourd'hui, Nicolas Nkoulou andem très mal? Non, Nicolas Nkoulou là. Hein? Qui? Nicolas Nkoulou là. Quitte là-bas. Waouh, laissez-le continuer. Nicolas Nkoulou là, quand moi, je juste on l'aider que tu es vieux là. Tu bégayes pourquoi? Tu ne connais plus parler. C'est justement à cause des matchs. Donc au délai, il faut juste merci à André Onana. Pourquoi? Parce qu'à cause de où, c'est grâce à lui, on ne va pas nier tous tes défauts. Hein? Et Toko alors? Toko Ekambi, alors c'est comme si depuis que Laurent Blanc est arrivé à Lyon, il a bantouché la Toko Ekambi, son corps aussi a commencé à doux comme le mille pattes. Quoi? Bassogo a fait comment? Bassogo qui est entré n'a même pas eu l'occasion qu'on y ait s'il y a encore le dama dans les pieds où il n'y a pas. Il a couru tout ça là-bas. La calvitie la montre quand même que le boy est nerveux, il est musclé, il y a tout ceci cela. Tu dis donc quoi, Oléon? Donc, comment on go au Qatar là? On go délivrer un trophée qui est emballé là-bas comme ça, là. Il faut bring ça au pays. Hé, hey, laisse les gens. Tu vas lire. Tu vas lire, mon ami. Moi-même, je suis en mode observation. Je te dis que... Le foot est une seconde religion pour les Camerounais. Abonnez-vous. Quand vous êtes abonnés, bien. Très bien. Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Paye ou non? Ok. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.